Bonjour tout le monde, ici Jake pour Iva Sound Studio. Je vérifie que tout se passe bien sur les écrans. Ça a l'air, j'espère que la musique du jeu sera un peu plus forte. On verra bien. Bref, ici Jake pour Iva Sound Studio, on est sur New Pokémon Snap, apprentissage de la photo. Dans un milieu naturel, tout simplement, en mode safari photo, tout en respectant quand même... ce qui se passe autour de nous, hein. On va essayer de respecter l'environnement et les bêtes. Essayer, du moins. On va voir comment ça se passe. Voilà, il vient de sortir, il est sorti vendredi dernier, là, New Pokémon Snap. À la base, c'était un jeu sur Nintendo 64, donc Pokémon Snap tout court. Et là, ils ont fait un tout nouveau jeu, c'est pas une réédition, c'est pas un remaster, c'est vraiment un tout nouveau jeu. On va voir comment ça se passe. Donc, bon, quelle langue choisir? Français. Choisir la langue de doublage. Japonais, oui, c'est très bien. Photo, qui on va jouer? Bah lui, écoutez, on va pas voilà, s'embêter. Jake, c'est bon. Cela vous convient-il? Oui. Voilà, donc New Pokémon Snap. Labo qui a l'air d'être directement dans la nature. Hein. Un Pikachu, un Evoli. Ça c'est ma tronche. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Ah, on nous appelle. Et par ici. Bonjour. Professeur Miroir. Ah, te voilà. Je sais pas quelle voix je vais leur donner. Bonjour à toi, bienvenue au laboratoire Pokémon de sciences naturelles de Lantis. Non, de Lantis. Je me présente. Je suis le professeur Miroir. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis ici sur l'île d'Anthos pour étudier les Pokémon ainsi que leurs habitats naturels. Leur habitat naturel, même il y a un H. Rita. Oh mon dieu, elle s'appelle Rita. Mais pas seulement. Le professeur compte bien étudier toutes les autres îles de Lantis. Oh, vous m'avez compris. Les autres îles de Lantis aussi. Ça fait beaucoup de S. Et personne ne l'a encore fait, tu t'en rends compte? C'est des recherches complètement inédites. Alors on dit ce sont des recherches, d'abord. Dis-moi, tu ne serais pas en train d'oublier un certain Victor, par hasard? C'est qui ça, Victor? Oups, c'est vrai. Toi aussi, tu as déjà dû lire... Aventure à Lantis. Les récits de voyage du capitaine Victor, le célèbre aventurier. Je connais pas. Mais bon, elles ont quand même 100 ans ces histoires. Donc ça change rien au fait qu'elles sont géniales vos recherches, professeur. Arigato. Ah ah, eh bien merci, ton enthousiasme me fait plaisir. Je te présente Rita, c'est la fille d'un bon ami à moi. Elle est de visite pour les vacances. Mais professeur, je suis pas venu ici pour m'amuser, je suis votre assistante. Bon, elle est en stage, quoi. Tu as tout à fait raison, et heureusement que tu es là, ton aide m'est toujours très précieuse. Maintenant, que dirais-tu d'aborder plus en détail le rôle que tu auras joué dans tout ça? Je vous propose d'en discuter au laboratoire, on y sera plus au calme. D'accord, suivez la guide, c'est par ici. Je crois que le tuto va être très long. Donc là, on est dans le labo. Bien, où en étions-nous? Ah oui. Comme tu l'as peut-être remarqué, de nombreux Pokémon vivent à Lantis. En les photographiant, on peut en apprendre plus sur leur mode de vie, ainsi que sur leur environnement. Et c'est là que tu entres en jeu. J'aimerais que tu explores les îles pour photographier les Pokémon dans leur habitat naturel. La nuit, tu croiseras peut-être des Pokémon qui brillent. Tu verras, ils sont trop beaux. Des Pokémon qui brillent? Des Shiny? Bien, commençons par te remettre ton principal outil de travail, l'Explore Flex. C'est un appareil photo développé spécifiquement pour nos recherches. Explore Flex. Ah, c'est pas facile à dire ça. Moi aussi, j'en ai un, on pourra s'en servir pour s'envoyer des messages. Parfaitement, cet appareil photo sert aussi à communiquer et dispose d'une fonctionnalité permettant d'analyser les données qu'il collecte.
Il te servira aussi de carte d'identification ici, alors prends-en bien soin. Explore réflexe. Ah, réflexe, explore réflexe. Ah, oui. Bah oui. Réflexe, appareil photo. Oui, oui. Oh, le vive. Et la manette, elle a vibré fort. Hein. T'as vu ça, il est trop cool cet appareil photo. Non ouais, il a l'air un peu fragile surtout. Hein. C'est le professeur miroir qui l'a mis au point. Dites professeur, ça vous embête si c'est moi qui lui explique comment ça marche? Bah non, vas-y, fais-toi plaisir. Bah voilà, tiens, je t'en prie, vas-y. Je vais aller m'occuper des derniers préparatifs pendant ce temps. J'adore les voix japonaises. Ok, allez, viens, je vais te montrer tout ça dehors. Les explications du tutoriel sont basées sur la configuration des commandes par... Ouais, bah voilà. Je vais pas les changer. Voyons voir, il tombe à pic celui-là. C'est quoi ça? Essaye de photographier ce Pokémon. Pour prendre une photo, appuie sur le bouton A. C'est un prisme long. Mais non, mais je veux qu'il soit centré. Bon, il est pas très centré, mais c'est pas grave. Voilà, super. Maintenant, si tu essayes de déplacer l'objectif pour bien cadrer la photo. Tu vois l'icône circulaire au milieu? Oui. C'est le viseur. Si tu utilises ça, tu veux... Oh bah... Ok. Il est loin, là. Rapproche-toi. Bah là, il est parti. Waouh. Grâce au gyroscope. Regarde un Pikachu. Prends le Pikachu en photo. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, mais il est pas centré là. Bon, d'accord. Allez, on va zoomer. Là, il est centré. Le sujet doit apparaître en entier, en gros plan et au centre de la photo. Ok. Tu peux modifier la configuration du gyroscope. Ouais non, je vais laisser tel quel. Quand tu as une exploration, tu peux faire... Non, non, c'est bon, c'est R. J'imagine que tu as pu te familiariser avec l'explore réflexe. Je vais maintenant évaluer les photos. Ok. Choisis une photo de chaque Pokémon. Avec. Ok, donc il a un barème spécifique, d'accord. Alors, par contre, les deux boutons là, ces deux là, ça fonctionne pas. Ok, j'ai rien dit en fait. Bah oui, la photo en gros plan. Ouais, ouais, bah là il est de dos. Ça va pas faire un gros score ça. Oh mon dieu, c'est un Pikachu, c'est la première fois que tu le prends en photo. J'en ai jamais vu de ma vie. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il est important d'assigner à chaque photo une catégorie exprimée en nombre d'étoiles. D'accord. Cette notation... ouais. Puis une photo montrera un comportement insolite, puis elle recevra d'étoiles. Wow, d'accord, ok. C'est simple. Ouais, simple sur le papier. Sache que chaque catégorie est importante, le nombre d'étoiles n'a aucun impact sur le score final de la photo. Ah bon? Passons à l'évaluation par critères. D'abord, je regarde la pose. En prenant la photo au bon moment, on a un meilleur score. Ouais, bon, ça c'est logique. 500, ok. La taille. Donc ça c'est en fonction du zoom. L'angle de vue, fait en sorte que le Pokémon soit tourné vers l'objectif. Ouais, jusque là ça va. L'harmonie de la photo avec le cadrage. Ouais, en gros, il faut se centrer, quoi.
S'il y a d'autres Pokémon en plus. Ah ouais, d'accord, ok. En gros, on va faire de l'art. Beaucoup d'informations d'un seul coup. Quand tu prends une photo, assure-toi que le Pokémon apparaît en grand et bien au centre. Ok. Voici l'évaluation. 3163. C'est une très belle photo. Bah, c'est le tuto, donc bon, ils vont pas te dire que c'est une photo nulle, hein. Oh bordel, va falloir avoir une photo de chaque, c'est ça? Et là, c'est le Prismillon. Mais il est de dos, hein. Ouais, angle de vue, ouais. Ok. J'espère que tout est clair. D'ailleurs, une fois que tes photos sont évoluées, elles seront ajoutées à ton propre Photodex Pokémon. Le remplir sera l'un de tes objectifs principaux. À l'aventure. Ok. Tout est prêt. Ravi de l'apprendre. Ce véhicule te permettra de te déplacer facilement pendant tes explorations et de prendre des photos confortablement. Ah oui, c'est vrai. C'est le Neowan. Ils auraient pu me donner un autre nom, c'est pas très joli, Neowan. Super pratique parce qu'il peut se téléporter hyper loin en un clin d'œil. C'est ma dernière invention, j'ai enfin pu la terminer avec un peu d'aide extérieure. Pour ce qui est de son fonctionnement, il se sert des diverses sources d'énergie des lentilles. Ah mais non, mais je voulais savoir moi. Bon, bah ok. Prends place. Ok. Je pense que je vais désactiver les vibrations par contre. Ah bien, c'est parti. Parce qu'on est toujours dans une zone tuto du coup. Le labo. Le labo personnel du professeur Miroir fait partie du laboratoire Pokémon de sciences naturelles de Lantis. Vous pouvez y consulter votre photodex ou accéder... Ah, j'ai pas le temps de finir de lire. D'accord. Ah, c'est... Oh mon dieu, mais c'est hyper difficile en fait. Non, et là, il est dos tourné. Il y a un truc, là. Oh, mince. C'est des tauros. Non, c'est pas des tauros. C'est des frisons. Je peux pas avoir un papy illusion, là, bizarre. Non, lui, il fait la gueule, lui. Il est le dos tourné, là. Dodrio. Viens là, Dodrio. Allez. On va dire que c'est bon. Oh! Toi! Mais non, mais Dodrio, il passe dessus, là. Voilà, lui, il fait... Oh, mince, oh là là. C'est des photos qui sont nulles, hein, pour le moment. Il y a un truc, là. Il a le dos tourné. Viens, viens là, toi. À chaque fois que je veux tourner, c'est... Oh. Je peux pas... Oui, non, non. Oui, c'est bon, photo. Oh, un chenipote. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Non, ça c'est juste un champignon. C'est quoi ça? Fleur de Crista. Fleur de Crista. Star! Oh, il y a du peuple là. Il y a un truc. Salut. J'espère que je l'ai eu, je suis pas sûr. Ensuite, c'est quoi ça, non, une hirondelle? Il y a un Magikarp au fond. Ok, apparemment on va vers le Magikarp, c'est bon. Ah, il y a les deux là, parce que je peux pas avoir les deux en même temps. Approchez-vous s'il vous plaît, encore, 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 encore. Non?
Allez, c'est bon. J'ai eu le pichu. Oh, l'eau, elle est jolie. Hein. L'eau est super jolie. Qu'est-ce qu'ils font? Des quenotors, les quenotors. Avec le Dodrio. Mais il est tourné, c'est pas bon. Ah, Magikarp. Ah, mais il est bloqué, le pauvre. Magikarp, Magikarp. Allez, ça, c'est bon. Chenipot, on l'a déjà eu. Hirondelle. Est-ce que je... non, on l'a déjà eu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, là? Je peux pas bouger directement avec la manette pour l'instant, c'est nul. Oh, elle est jolie, cette photo. Non, je préfère garder l'autre, en fait. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Guériland, je le connais pas, lui. Il y a un truc en plein milieu, là. Il n'est pas tourné. Florges, Flor. Ce Pokémon-là n'est pas tourné comme il faut. Tourne-toi. Voilà, c'est bien. Ah non, c'était bien, là. Quoi? Ça? Ah, ça? D'accord. Bon, bah, c'est déjà fini en fait. Mais ça doit être encore une zone tuto, je pense. Il est pas une... que c'est encore une zone tuto. On verra bien. Allez, retour au parc naturel d'Anthos. Ça, est-ce que ça m'a plu? Oui, ça va. C'était potable. Je te laisse choisir les photos que tu souhaites me montrer comme la dernière fois. N'oublie pas une photo par Pokémon, oui. Ah attends, une photo par Pokémon? Bah, là, pour le Dodrio, ça là elle est chouette parce qu'elle est en gros plan, il est centré, il y a des trucs un peu partout. Mais là, il est dans une position originale. Enfin, pas commune, quoi. On va commencer par ça, là. Frison. Bon, bah, il n'y a qu'une photo, hein. Wistampo. Il est de dos. Pichu. Ça, là, mais il a les yeux fermés. Quenotor, il n'y en a qu'une. Chenipot, il n'y en a qu'une. Flor... je sais pas comment on dit. Florges, Florges. Florg. Ouais, ce sera Florg. Lac Messine. Mon dieu, Lac Messine. Celle-là, elle est jolie. Mais celle-là, ils sont nombreux. Je vais prendre celle-là. Nirondelle. Allez. Magikarp. Il n'y en a qu'une. Ah, elle est chouette, la photo. Et Guériland. Ok. Bon, ça, c'est juste une fleur, en fait. Allez, go. En fait, on va passer plus de temps sur l'évaluation de la photo, des photos, que sur le safari en lui-même. Ok. Une étoile. Ah, oh, presque 4000. Frison. Les frisons, ils sont loin. Hein. C'est la première fois que tu prends un frison en photo. Pose 500, même s'il est si loin. Ok. C'est ok. Je m'attendais à pire comme score quand même. Hein. Ouais, mais il est de Wistampo. Il est de dos, quoi. On dirait qu'il se dirige quelque part. Ouais, si tu le dis. Pichu. D'accord, ok. Bon, c'est pas mal. Je m'attends pareil. Vu qu'il a les yeux fermés, mais en fait non, ça passe.
que nos torts. Oh, le score. Ah non. Ah, ok, bon. Ah, je préfère cette photo-là, la photo du pichu, quoi. Chenipot. On dirait qu'il mange l'herbe, là. Pas mal. Florg. Comportement très ordinaire. D'accord. 3826. Ok. Lac Messigne. Il est en train de voler, jolie photo. 3003, c'est tout? Bah, ils sont en vol quand même. Une hirondelle. Ah, oh, t'aimes pas trop la pose. Ah bon? Dommage. Magikarp. Voilà, Magikarp, je pouvais pas faire mieux de toute façon. Guériland. Ouais. C'est tout? Ok. Alors qu'est-ce que tu me dis maintenant? Ah, il y a des niveaux en plus. D'accord. Avant de partir, laisse-moi t'expliquer une dernière petite chose, le niveau d'exploration. C'est un indicateur qui permet d'évaluer le degré de progression de chaque parcours. À mesure que ce niveau augmente, les Pokémon du parcours commenceront à agir différemment. Et ça, c'est bon pour nos recherches. C'est pas très crédible, mais bon... Pour faire monter ce niveau d'exploration, il suffit d'observer et d'immortaliser tous les Pokémon que tu croises quand ils font quelque chose de nouveau. Il est donc important de rassembler des photos d'eux de chaque catégorie. Ok, il y a du boulot. En d'autres termes, remplis consciencieusement les pages de ton photodex, garde ça à l'esprit et tu progresseras en un rien de temps. Prends donc un maximum de photos pour immortaliser toutes tes fabuleuses rencontres avec les Pokémon. Notre exploration de cette zone ne fait que commencer. Bonne chance pour la suite. Je sais que tu feras du bon travail. Ah, il y a un cadeau. Vous avez... Ah, il y a des titres en plus. Ok. Je suis allé un peu vite, je pense. Que voulez-vous faire? Oui, on peut sauvegarder les photos, oui. À la fin de chaque exploration, tu pourras choisir de sauvegarder des photos dans ton album. Accessible au coin personnel au labo. Tu peux également utiliser le photo plus pour... Oh ouais, mais ça va être du Instagram, ça. Ah bien, cette photo. Sans la non, elle est pas belle, hein. On va voir si à un moment donné, il dit qu'il y a une limitation de photos, on fera du ménage. Tout? Ok. Allez, on rentre à la base. Vous pouvez sauvegarder. Ben ça, c'est ce qu'on vient de faire en fait. Attends, non. Dans l'album. Ok, une fois qu'on est dans l'album, on peut les mettre sur la Switch. Ok. Et donc ensuite. Ouais. Ok, d'accord. Exploration de nuit. C'est encore un peu trop tôt pour ça, on en reparlera quand Jake aura pris ses repères. Dernière chose, tu peux consulter ton photodex depuis le labo, donc n'hésite pas à t'y rendre quand bon te semble. T'inquiète, je t'expliquerai ça en détail quand tu repasseras au labo. Bon bah go hein. Ça y est, le tuto il est fini.
Modifier le paramètre du jeu. Il est possible. Ouais, on va regarder 2-3 trucs quand même. Gyroscope. Oui. Modifier la fréquence à laquelle. Oui. Alors les vibrations, elles dégagent par contre. Elles sont ultra fortes. Je trouve pas ça normal. Caméra, on laisse comme ça. Ça en touche pas. Le son, pour moi, c'est bon. Et j'ai l'impression que ça manque de son sur le stream. Voilà, j'augmente un petit peu le son du jeu. Parce que moi, là, tout est à fond. Je peux pas faire mieux. Ok, ça a l'air d'être mieux côté stream. Photos de sujets ou parcours inconnus. Affichées ou non, les photos montrant des sujets ou des parcours que vous n'avez pas encore découverts. Attends, quoi ? Bah, c'est une aide de jeu, ça, en fait. Vas-y, oui, on l'affiche. Ok. Alors, on va au laboratoire. Il y a sûrement des choses à fouiller là-dedans. Oh, bah tiens, elle veut me parler. Ici, c'est le labo. Bah oui, en fait, c'est ce que vous dites depuis le début, en fait. C'est la première chose que vous avez dit. Je t'apprends rien, vu que t'as déjà... Bah voilà. C'est ici que la professeure fait ses recherches et construit toutes ses machines. Il passe tellement de temps dans ce labo qu'on pourrait croire qu'il y habite. Bah, c'est pas le cas. Ok. Ah, c'est un serveur. Le photodex. C'est une encyclopédie illustrée qu'on peut remplir soi-même à mesure qu'on prend des photos. D'accord. Le coin personnel. Album photo, toutes les infos sur les explorations qu'on fait. Ok. Mais est-ce qu'on a un espace de stockage important? C'est ça qui m'intéresse. Tu peux... Ouais non, par contre, retoucher les photos. On verra plus tard. Quoi, il y a un mode en ligne? Le mode en ligne te permet de te connecter à Internet et de voir les photos des autres joueurs du mode entier. Oh. Si tu vois de belles photos, tu peux leur donner des médailles pour encourager leurs photographes. Ça fait toujours plaisir de recevoir des médailles pommes. Oh. Tout à fait. De plus, le mode en ligne te permettra aussi de voir les classements des joueurs dans les différentes catégories. Ok. On va commencer par ça. À chaque fois que tu me montreras la photo d'un nouveau Pokémon, une nouvelle page s'ajoutera. Appuie sur A lorsque le curseur survole le Pokémon pour le voir bouger. Entendre son cri, voir d'autres formes. Ok, d'accord. C'est un Pokémon jardin. Alors par contre, s'il faut scroll pour enlever les notifs à chaque fois, ça va être embêtant ça. Ok. C'est tout ce qu'il y avait à savoir sur ça. La carte, voyons. Ici, tu peux voir les informations relatives au parcours que tu as déjà exploré. Les Pokémon et les éléments de collection que tu as découverts apparaîtront sur la carte, ce qui te permettra de les retrouver facilement plus tard. Donc là, on est au parc naturel d'Anthos. Parc jour.
un parcours propice à l'observation des Pokémon, jalonné d'un grand lac et d'un champ de fleurs aux couleurs vives. Il est idéal pour initier les jeunes photographes. Oh. Et là, c'est... Ok. Mais pourquoi il y a la notif, là? Et pourquoi il y a un point d'interrogation, là? Ça, c'est le trajet. Ok. Donc ça, c'est la carte de tout le jeu. Carte de Lantis. Parce que ça avait parlé de plusieurs îles, quand même. Et là, on a juste fait ça. Non, attendez. Attendez, regarde. On traverse ça. Traverse, on va... Donc en gros là j'ai fait ça. J'ai fait cette partie là, logiquement. Je suis même pas sûr en fait. Si c'est ça, il y a un truc au milieu. Donc là j'ai fait cette partie là. Et il reste encore plein de choses ici. Collection. Ah, je peux pas aller dans collect. Bon, long les chargements. Coin personnel. On est déjà à 40 minutes de jeu. Waouh. Donc, album. C'est ce qu'on vient de faire. Ah, hop, il y avait un truc là. Photo enregistrée 15 sur 48. On peut en avoir que 48. Mais il y a des centaines de Pokémon. Meilleure photo, le dos de Rio. Titre d'exploration. On peut avoir des titres en fonction de ce qu'on fait. Vous avez effectué votre première mission, d'accord. Mais je vais enlever la notif en fait. Ah, attendez, mais c'est écrit ce que... Attendez. Ok, là on sait pas. Ok, il y a quand même des choses qu'on ne sait pas en fait. Atteindre le niveau d'exploration maximum dans un parcours. Ok. Enregistrer 150 photos 2 étoiles. 3 étoiles, prendre 500 photos, enregistrer 150 photos 1 étoile, donc 4 étoiles, montrer au professeur 25 Pokémon en train de nager. Bah Magikarp il nageait pas là peut-être. Pokémon joyeux. Pokémon joyeux. Waouh. Pokémon dia... Attends. Prendre 100 photos de catégorie diamant. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Prendre une photo 3 étoiles de 10 Pokémon différents au cours d'une même exploration. Wow. Ah ouais. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Oh, le dos de Rio, il aurait pu compter là-dedans. Zut. Et il y a plein de pages, hein. Cartographier un parcours. Ah, ça le... Pourtant, je viens d'en faire un, là.
Mais les parcours, en plus, ils sont automatiques, donc comment tu veux cartographier? Bref. Ok, donc là on passe sur les types de Pokémon. Plantes, insectes, vol. 5000 points au cours d'une évaluation. 2000 points dans ta taille. Pokémon de type fée. Photographier tous les motifs de Prismillon. Il y a plusieurs motifs de ce Pokémon? Il y a plusieurs trajets. Tout ne sera pas automatique. Joue et laisse tes succès, ce sera beaucoup plus clair. Ah, on va pouvoir choisir les trajets. Oh! Donc, je finis tant qu'il me reste deux pages. Angle de vue, cadrage. Pokémon, pile au milieu. Ok. Et après là on est vraiment dans de l'esthétique. Ça doit être un truc comme ça. Publié. Ah voilà, ouais. Bon là c'est Instagram quoi. Ça. Médaille pomme. C'est avoir ou donner ça? Donner. En fait il a l'air plus complet. Je vais pas dire compliqué, mais plus complet que Pokémon Snap de version Nintendo 64. Données d'exploration, il y a quoi là-dedans? J'enregistre diverses statistiques sur les explorations, elles sont mises à jour régulièrement. Bah, c'est mes stats de jeu en fait. J'ai parcours. Attends, c'est une blague. Sur le bon, en même temps, j'ai fait qu'un parcours tuto, mais j'ai fait seulement 260 mètres. J'ai l'impression d'avoir fait 2 km, pas 260 mètres. Et en fait, les maps, elles sont toutes petites, quoi. Si on par rapport à l'échelle humaine. Meilleur score, 3909. Ok. Fiche perso. Ah, bon, ça, on s'en fiche, en fait. On s'en fiche, fiche perso, lol, humour drôle. Mode en ligne, il y a quoi là-dedans? Pour que tout le monde puisse profiter de la fonctionnalité, veuillez ne pas publier de contenu inapproprié. Alors, ce qui est totalement normal, j'approuve absolument, mais comment est-ce qu'on peut publier du contenu inapproprié sur un jeu où on prend que des photos de Pokémon? Ou alors c'est qu'on peut pousser la personnalisation très loin. Tu peux consulter les photos et les classements, ok, tu peux accéder à ton profil en ligne, le personnaliser. On va commencer par le profil, ce sera plus rapide. Tu peux écrire patati patata. Alors, en même temps j'ai qu'un doré. C'est quoi ce code? C'est pour retrouver des codes de gens, mais ils auraient pu mettre le code de la Switch, hein, le code de. Le Nintendo code quoi, pas. Encore 50 millions d'identifiants pour Nintendo, quoi. Quel type de photo voulez-vous mettre en ligne? Je vais mettre le dos de Rio pour le moment, c'est... Non, je vais mettre Magikarp, il est drôle, Magikarp. Un comportement fascinant, allez, vas-y. Oui. Ah, je peux en mettre d'autres. Photographe novice. 28 caractères. Est-ce qu'on est roleplay? Attends. On va tenter quelque chose. Je pense pas que. Je. Prends. Ah, il y a que 28 caractères quand même. Des. Photos.
Ah non, il n'y aura pas assez de caractère. Je voulais mettre, je prends des photos sur Iva Sound, mais je prends des... Non, on va pas mettre ça. Je sais pas quoi mettre en fait. On annule. On va laisser ça pour le moment. Si vous avez des idées un peu drôle, un peu qui accroche un peu pour ça là. Là je sais pas. On va laisser le Magikarp. Alors attends, classement. Si les classements des joueurs par score t'intéressent. Oh, on peut voir les scores des amis. Mais bon, en ce moment, je crois que je suis le seul de mes contacts Nintendo à avoir New Pokémon Snap. Yep. Ah, là, bah, en même temps, le jeu il vient de sortir. Ouais, tu m'étonnes. C'est normal en fait. C'est tout à fait. Oui, c'est normal. Photo des joueurs. Photo populaire. Allez, tiens, je te donne une médaille pomme. Ah ben voilà, ben lui, il a mis directement son Twitch, en fait. Allez, médaille pomme. Et on a autant de médailles qu'on veut, en fait, à dépenser, à donner, à utiliser. Oh, mais là, on est au-delà de l'Instagram. Là, on est sur les filtres... Comment c'est, cette appli-là C'est les filtres Snapchat, ça. Voilà, j'ai mis 3. Recommandé pour vous. Pourquoi recommandé pour moi? Oh, elle est chouette, ça, là. Eh, hey, le Pokémon, il a une pomme. Oh, attendez. Dans l'ancien Pokémon Snap, on devait lancer des pommes. Il va y avoir un truc comme ça ici, c'est ça? Mais ouais, mais en même temps, médaille pomme, quoi. Ok, ça c'est que dans ma langue ça? Vas-y, fais voir dans toutes les langues. C'est en train de télécharger ou c'est... Ok, d'accord. Non. Celle-là, elle est rigolote, celle-là. Oh, le score qu'il a, lui! Ou elle, je n'en sais rien. Eh ouais, version anime japonais. Eh, les japonais, ils sont forts quand même. Bon, allez, retournons à l'aventure. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Bah oui, oui, du coup, j'ai eu de nouveaux titres. Et oui. Allez, explorons. Déjà prêt à repartir en exploration? Oui. Ah, il y a encore une autre fonctionnalité dès le départ. Le radar, c'est quoi ça, le radar? Comme ce nom le laisse deviner, cette fonctionnalité te permettra d'analyser les alentours. Il te donnera des informations sur les Pokémon que tu croiseras et te signalera s'il repère quelque chose d'inhabituel. Si le programme estime que quelque chose vaut le coup d'œil, il le signalera. Toujours pas clair pour moi non plus. Allez, on sort l'appareil photo. Pour utiliser le radar, appuie sur X. Le nom du Pokémon s'est affiché à l'écran, en effet, et il y a un point d'interrogation sur mon véhicule. Aligne le viseur avec le point d'interrogation. La forme de viseur a changé, oui, en effet. Maintenir X pour lancer une analyse. Le Neo One, un véhicule indispensable pour l'étude des Pokémon. Tu peux maintenant voir les résultats de l'analyse. Il paraît que c'est un ami. Bah oui, oui. Mais je vais pas. Ok, d'accord. Je veux pas. Ok.
J'allais dire et je vais pas laisser le radar activer tout le temps. Ok, mais il faut attendre qu'il y ait cette icône là. Okay. Le radar émet des sons et des ondes radio qui peuvent faire réagir des Pokémon. S'ils le regardent dans ta direction, ce sera l'occasion de les prendre en photo. D'après le professeur, c'était pas du tout un effet escompté du radar. Bah, si ça les perturbe, c'est pas très bon, bref. Arigato. Le radar te permettra d'apprendre énormément de choses sur ce qui t'entoure. Ok. On repart ? Rends-toi au parc naturel pendant la journée. J'ai pas 56 choix. Hein. Allez, on refait le trajet. On peut passer l'animation. Même trop gros plan là, je trouve. Pour l'instant, il a pas parlé de pommes encore, le monsieur. Hein. Bah, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, là. Non, les frisons sont plus proches. Les frisons sont plus proches. Toi, t'es plus dans le bon sens. Il y a Dodrio qui a fait un photobombe. Kenotor qui est là. Des fruits carbonisés par terre. Oh. L'affaire de Krista. Mais c'était déjà écrit. Bonjour, lac Messigne. Ah, attends, viens là, bouge pas. Non! Je crois que peut-être que je l'ai eu. Lui, il court. Non, trop loin. Il y a un Kenotor sur le barrage, là. Tourne-toi, Kenotor. Non, il veut pas. Ça va être dur. Je le prendrai quand la caméra sera tournée tout à l'heure. Voilà. J'entends Magikarp, je crois. Et là... Ah non, il a bougé, zut. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Un out à la surprenante habitude. Oh, je l'avais pas vu tout à l'heure, lui. Magikarp? De toute manière, on peut l'envoyer après la photo. Donc c'est juste pour faire des points, là. Voilà. Des petits points. J'aimerais bien avoir une photo correcte de lui, là, Vermillon. On n'est pas vraiment. Hein. D'abord toi. Voilà. Allez, viens là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah oui, l'oiseau là. Ah mais il est parti loin. Belles ces trucs. C'est...
sais pas si ça va passer celle-là. Ah oui, toi. Non, il s'est tourné. Ah, peut-être pas, je l'ai peut-être eu. Pour augmenter ton score, n'hésite pas à paparazzer. Tu avais encore 50 photos possibles à faire. D'accord. D'accord, donc en gros, ok, on peut mitrailler, quoi. D'accord. Choisis les... Ouais, 14 photos. Ah oui, si on peut en prendre plus de 50, en effet, ouais. En effet. A voir. Là, il n'y en a qu'une. Oui, c'est un pot, j'arrive pas à l'avoir un gros point. Hein. Ah. Ah. Non, on va prendre celle-là. On a eu un hoot hoot. Mais il est très mal cadré. Hein. Magikarp. Voilà. Allez, go. Voyons voir les photos. Oh, elle est moins bonne. Oh, d'accord. Bah ouais, je vais garder ça. Là. Ah, elle est moins bonne aussi, mais j'ai un meilleur score de cadrage. D'accord. Wow, quasiment 1000 de plus. Ouais. Allez, on prend. Ah, t'aimes pas la pose. Par contre, t'aimes bien le reste. Un Kenotor qui bâtit sa maison. Waouh. Ah oui, en effet, ouais. Par contre, ça reste une étoile. Tu as plutôt... Non, je suis pas d'accord. Attends, on le voit mal, il est dans le tronc. Bah là, elle est nulle, cette photo. Voilà, taille 24. Cette photo, nulle. Je préfère cette photo là, professeur, sérieux? Ah, je préfère la première, moi. Bah, écoute, je te fais confiance, c'est toi le professeur. Hein. Wow. Ah ouais, là, il y a 1000 de d'écart. Ok, d'accord. Et enfin, le Guiriland. Moins bon. L'orgue. Tu préfères la pose du premier, mais tout le reste de là quand même. Ok. C'est diamant ça? C'est une photo diamant? J'ai peut-être un titre. Ouais. Tu atteins un niveau d'exploration, ouvre bien l'œil lors de ta prochaine expédition pour déceler les petits changements. Ok, le parcours change. Par ici. Mes recherches ont avancé, j'ai fait une nouvelle découverte, je te parlerai tout ça plus tard. Je te laisse ranger tes photos. Oui, on met l'album à jour, tout à fait, oui. Mais j'ai le droit que... Au moment où l'album sera saturé, il va falloir faire du ménage.
D'accord, donc me 6 il s'est mis, il a une demi-heure de décalage. Ok, d'accord. C'est pas grave, je viens de voir Discord. Me 6 a une demi-heure de décalage, c'est pas grave. Oh! Un chenipon. Un chenipon. Un chenipan même. Le fameux phénomène Lumina qui fait briller la région. C'est le professeur Lumina? Le réel but de mes recherches est de retrouver les incroyables Pokémon dépeints dans les légendes de Lantis. Oh mon dieu, il y a des légendaires. Ah non, Pokémon luminescents. C'est quoi les Pokémon luminescents? C'est pas une photo ça, c'est un truc flou. Bah tiens, tiens, justement. Ah, on part au parc de nuit. Ah, un cadeau. Vous avez reçu une médaille pomme. Oh! Merci beaucoup. Vous avez reçu le titre internaute débutant. Mais on tirera les photos plus tard. On retourne en exploration. Si tu vas au parc, une fois la nuit tombée, tu devrais voir le phénomène Lumina se manifester. Allez. Ah, on peut le refaire de jour. Oh, c'est quoi ça? Tourne-toi. Tourne-toi, Flambino. Tourne-toi, je vais t'écraser. Bon, c'est pas grave. Je fais des flammes, c'est rigolo. Dès que notre heure de nuit. Voilà. C'est quoi? Oh mon dieu, il est juste là. Ok. C'est joli en tout cas, c'est brillant. Il y a un bruit. C'est quoi ça? Un Pokémon? Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Boule de nœud? On dirait un caillou. Ouais, pour moi ça reste un peu. Chenipan! Il y a un chenipan. Il y a deux chenipans même. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive! J'arrive si j'arrive. Oh, oh mon dieu. Fleur de cristal. Fleur de cristal. Des ronflements. Et un ronflex. J'ai vu passer quelque chose, je l'ai raté. Oh, il est beau. Bon, c'est des lames, mes signes. Ah non, c'est pas du tout un ronflex, non. Non, c'est juste des Torterra. Au secours. Qu'est-ce que c'est que ça? Au carnage. Sourire, au carnage, viens par là. Bon, attends, normalement j'ai le temps. Vite. Voilà, Torterra c'est bon. J'aurais pu utiliser le gyroscope quoi. Bah, il est pas sourd au carnage. Il s'est barré. Rapuré, j'ai raté au carnage. D'accord, j'ai réussi à avoir des petits canards. J'en ai raté plein. C'est des cornerbres ça. Viens là. Allez. Oh non, ils sont trop hauts. Je vais peut-être augmenter la sensibilité du machin. Oh, Scarabrut.
C'est quoi ça? C'est des abeilles? Apriti. Je peux pas en avoir un de plus près? Genre, ouais, mais moi, plus mieux quoi. Genre ça. Tourne-toi. Tourne-toi. Non, mais tourne-toi bien. Tourne-toi bien. Oui, parfait. Pas parfait, non. Quoi? Une grande quantité d'énergie? What? J'ai pas fini. Ah, mais j'ai pas mitraillé non plus. Je n'ai pas mitraillé. C'est super joli de nuit, n'empêche. Ah, il a beaucoup de choses à nous dire. Je vais le refaire de nuit, il était chouette. Flambino, bon, il était pas en face, mais bon. Punotor, il était rigolo. Frison. Boule de nœud. Mais boule de nœud, je vois pas à quoi ça ressemble. Je me prends. Augmenter la sensibilité. Ouais. Il a l'air pressé, oui. Ah, il a pas beaucoup aimé la photo. Dommage. Ok. Ah, la photo est mieux, non? Attends. Mais le frison de... C'était pas un frison, lui, j'ai pris une photo tout à l'heure? Ah, mais c'est parce que c'est une 2 étoiles. Ok, d'accord. Boule de nœud. Bon, il est en forme. 4 étoiles. Cool. Ah, elle est moins bonne. Elle est pas cadrée par contre. Hein. Ah si, ça passe, il est content. Bon, tant mieux. Quentum. Photo diamant, ok. Scarabrut. Avec un out out derrière. Et justement, out out. Voilà, il est mieux ça là quand même. Voilà, photo diamant. Apitrini. Ah, elle est pas ouf la photo. Ah, quand même. Ah, quand même, d'accord. Okay, bon. Voilà, le niveau d'exploration, il me met que je suis encore à niveau 1. Je suis pas au niveau 2. Ou alors il y a un niveau de nuit et un niveau 2. Ah non, c'est le niveau d'exploration du parcours. D'accord. Je croyais que c'était un niveau d'exploration personnel. J'espère que... Oh, je vérifie, mais... Ouais, voilà. Okay. Donc, il va falloir bien les trier, en fait. Hein. Bon, on laisse comme ça, mais... Il va falloir les trier.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi ce building là? Tu te souviens du champ de fleurs? Oui. Nous y avons mesuré une incroyable quantité d'énergie. La source de cette énergie semblait être en mouvement. Ce qui laisse penser qu'il s'agirait sûrement d'un Pokémon luminescent. Je ne peux pas encore l'affirmer catégoriquement, mais cette théorie se tient. Pourquoi est-il apparu? Est-ce que j'ai fait quelque chose de spécial? Non. Ok. Oui, on va lui jeter un œil, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr, on y retourne, tout à fait. Ah, ok. Vous pouvez prendre jusqu'à 72 photos par exploration. Ah oui, d'accord. Bon alors, source lumina. Oui, je vais le faire, monsieur. Il y a un truc en face. Hein. Pour l'instant, c'est une cinématique. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow! Bonjour! C'est un méganium. Oui, bien sûr, je le prends en photo. Je voudrais que tu tournes, s'il te plaît, par contre. T'es un Pokémon rare, fais-moi plaisir. Je vois un truc, enfin, rare. Ah, il est en train de manger. Non, il sniffe la fleur. Oh mon dieu, il est encore plus luminescent maintenant. Ah, il est content. Il est content. Tac, voilà. Il s'en va. Il court, c'est quoi ça? On dirait Denver. Non, pas Denver. D'accord, faut que je reste. En gros, faut que je mitraille celui-là. Là. Ok. Ok, là, t'es joyeux en plus, parfait. Et là, t'es caché derrière l'arbre. Me dis pas qu'à la fin, je vais devoir choisir une seule photo. Il s'en va. Je prends 100 photos, on sait jamais. Par contre, ouais, il y avait que lui, quoi. Donc, s'il faut choisir une photo, ça sert à rien, mais je trouvais ça joli. Ah, par contre, tu me dis que... D'accord. Tu le veux que quand il est luminescent, quoi. L'aperçu des photos est très pixelisé, quand même. Hein.
doit être entre ces 5 là, je pense. Là, il est en train de sniffer. Là, il est content. Il est encore plus content. Entre la 12 et la 14. Et là, il est en mouvement. La 12 ou la 14? La 14. En temps, oui. ¡5345! 2 étoiles diamants. Tâche de photographier des éléments intéressants en arrière-plan. Bah là, tu m'as dit de me concentrer sur le Pokémon quand même. Pourquoi 0? Ah bon, j'ai eu peur. Atteint un nouveau niveau d'exploration, ouvre bien l'œil lors de la prochaine pour déceler les changements du sub-parcours. Mais si dans la source Lumina il n'y a qu'un Pokémon à prendre, que je peux envoyer qu'une photo, disons je fais 4000, 5000 points à chaque fois, ça veut dire qu'il faut faire 10, 12 fois ce parcours-là, juste pour atteindre un autre niveau. Ok, un nouveau titre. Ah, c'est un filtre, d'accord. Okay. J'aurais une annonce à faire. J'imagine que tu as hâte d'en savoir plus. On va mettre l'album à jour, va. Regarde le sauveur dessin là, elle est chouette. Celle-là aussi, elle est bien. Elle est bien, celle-là. Ok. T'as vu comme il était beau, il était super grand, il t'a dit quelque chose quand il... C'est un Pokémon, hein. Une question à la fois. La légende raconte qu'il y a fort longtemps, un cataclysme s'est abattu sur la région. Et ce sont des Pokémon luminescents qui auraient sauvé l'Antis de la catastrophe. Les Pokémon luminescents ont des motifs distinctifs et qu'ils émettent une lumière particulière. Donc il y a quand même une vraie histoire derrière en fait. D'accord. Bonjour, bonjour, bien dormi. Comme Rita te l'a expliqué hier, j'ai récemment entrepris d'étudier les écosystèmes de chacune des îles de l'Antis. Pour tout te dire, mes recherches commencent à peine. Je m'attendais à devoir faire preuve de patience avant de découvrir quoi que ce soit de probant, mais je suis arrivé. Bah tiens, justement, et un Pokémon luminescent s'est soudainement manifesté. C'est pas une coïncidence. Allez, on va continuer à explorer la région actuelle du coup. Oui, bien sûr, de toute manière, j'ai pas le choix, c'est dans l'histoire, donc... Tu peux pas dire non, hein. Suspense, attention. Voilà, c'est bon, j'ai dit oui. Flanche
splendide. Voici le badge de membre. Ok. J'espère qu'il y avait 8 badges à collecter. Bienvenue dans l'équipe. Ah, il est pas prêt. Encore un cadeau. Un autocollant. C'est un badge ou un autocollant? Faudrait savoir. Une icône de profil. Allez, direction le laboratoire. Voilà, il y a du peuple. Alors, photo d'ex. Ça c'est chiant par contre de devoir enlever les notifs à chaque fois. C'est pas pratique. Attends. Ah c'est ça. Ah oui, donc il avait le dos tourné quoi. Oui, mais c'est pas du tout à fait ce que je voulais faire en fait. Tac tac, voilà, ça c'est bon. Photo enregistrée 23. Donc là, il n'y a pas de limite pour ça. Je crois. Si ? Attendez. Photo enregistrée 23, Pokémon 22. Qu'est-ce qui est en double? Qu'est-ce qui est en double? Pikachu, Dodrio, Pikachu, juste un peu. Kunotor. 6, 18. 19, 20, 21, 22. Il y en a 22 des photos là. Bon, je sais pas. Carte. Ah oui, ça rajoute un peu de monde. Genre un out ici. Ah, il y a moins de Pokémon la nuit quand même. Hein. On va falloir y retourner. Hein. Et là, le méganium. Mastouf et non mais oui. Ah oui, voilà, c'est ça. Point personnel. Ah, mais ça va être là qu'on va... Voilà, album. On va trier les photos ici. Voilà, je suis à 42 sur 48. Donc oui, effectivement, il va falloir effacer des photos. Alors, on va garder ces deux-là. Je les aime bien. Celles-là, on peut les passer. On va en effacer. On va quasiment tout effacer, en fait. Non, celle-là, non. Non, pas magique. Allez, c'est parti. Voilà, j'en garde 6. C'est pas mal. Titre. Le doux mystère, ok.
Ah voilà, photo de pro, tac tac tac. Ah, ça enlève pas la notif quand je passe dessus, d'accord. Par ici. Fiche perso. Ouais. Il y a déjà 50 médailles pommes pour mon Magikarp, sérieux? Ah non, c'est juste... Okay. On va jeter un œil en ligne. Pourquoi il y a encore la notif là? Ah, tout ça pour le badge, c'est ça. Non, non, je vais pas la changer. Non, 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 je garde... Voilà, c'est très bien comme ça. Allez, mode en ligne. Ça y est, il y a des nouveaux scores total du... Ah, voilà. Ok. Ah, il y en a, ils sont chauds, hein. 275 000. Attends. Mais je peux pas... Voilà, top 100 plutôt, faire comme ça. Il y a déjà une personne qui a 3 461 000 de points sur son photodex. Mais la personne a joué à H24 depuis vendredi ou quoi? C'est super dur. Ok, donc moi là je suis là. Enfin, tu me diras que j'ai 81 000. Donc, ça peut monter vite. Ok. Profil, oui. Je vais mettre depuis l'album. Je vais mettre ça. Oui. Je vais mettre. Un des deux Kenotor, mais je sais pas lequel. Là. En plein de travaux, il y a Hannes là. En plein plein. Oui, ah oui, c'est vrai, on dit en effet. Ouais. Ensuite, du photodex, on va mettre. Il est où Chenipan? Ouais, Chenipan, il est là. Deux. Non, on va laisser comme ça en fait. C'est très bien comme ça. Et là, il y aura par la suite la sélection du professeur, d'accord. Ok. Allez, on retourne à la base. Faut retourner à l'exploration ou Et si on prenait plein de photos pour faire une surprise au professeur? Si tu veux. Yes. Voici un petit quelque chose pour célébrer ton arrivée. Oh, il m'offre une pomme. Que c'est mignon. C'est une pomme tendre. C'est un fruit qui pousse à Lantis. Elle est super sucrée. Les Pokémon adorent ça. Comme ça, à première vue, elle a tout d'une pomme ordinaire. Mais en fait, elle est beaucoup plus légère et si tendre qu'elle en est presque moelleuse. D'où son nom. Si tu en lances un Pokémon que tu croises, tu feras certainement des heureux. Je te laisse tester ça. Mais est-ce que j'en ai illimité? Ah, nouveau tuto. Tu peux lancer une pomme tendre en appuyant sur B. Pour l'instant, je peux pas bouger le curseur. T'as vu, il est venu manger la pomme. La plupart des Pokémon adorent ça.
déplace l'icône pour... Attends. Je balance des pommes comme ça, moi. Si tu veux lancer plus loin, essaye de viser un peu plus haut. Mais... certains Pokémon n'en veulent pas, peut-être est-ce qu'ils sont un peu méfiants. D'accord. Tâche de garder tout ça à l'esprit. Il y a un Evoli sur la terrasse. Si tu testais les pommes tendres en conditions réelles. On peut les utiliser de plein de manières différentes. Bah à part les lancer, tu veux les utiliser comment? Nouvelles infos. Ah, un nouveau système au Neo One. Lantis Connect. Non. Un outil de communication qu'on utilise à Lantis. Bah, c'est un téléphone quoi. Ah, donc elle part en exploration de son côté aussi, d'accord. Les messages du Lantis Connect s'affichent en haut à droite de l'écran. Ok. Oh, parce qu'il y a des missions en plus. Est-ce que tu as déjà assisté à la carbonisation de ces fruits? Je me demande quel Pokémon a pu bien faire ça. Je pense que ça vaut le coup d'enquêter. Ben... on a croisé qu'un Pokémon de type feu à Anthos, c'était Flambino. Un long bâillement. D'accord, donc il faut prendre un Torterra qui baille. Attends, les mouvements de Florg sont parfois singuliers. Comme si ce Pokémon en appelait aux forces de la nature. J'ai pas compris ce qu'il faut faire, mais il faut prendre un Florg en photo. On voit souvent Meganium scruter les environs. Je crois qu'il cherchait un de ses amis. Est-ce qu'il y aurait un deuxième Meganium? Ok, donc en gros, il faut refaire les parcours. Attends. C'est quoi ça? Et vol Vivi. Ah mais c'est des photos de gens! D'accord, donc en gros la personne s'est fait plaisir. Oh si c'est rigolo. Tiens, je te donne une médaille pomme, c'est juste rigolo. Mouais. C'est bien parce que je suis gentil, je te mets une pomme. Ok, du coup on va repartir au parc jour. Pour essayer d'avoir les fruits bien cuits et la fleur. Alors on va voir ce qu'on peut faire avec la fleur, mais j'ai pas tout capté encore. Ok. Allez, on part au parc de jour. Hop là, doucement. Je pense que tu vas faire de nouvelles découvertes, j'espère aussi. Non, revenez là, je vous ai pas un gros plan encore. Oh là là. Voilà. Les fruits, ils étaient par là. Purée. Voilà, c'est bien. Les fruits, ils étaient par là. Ah non, attends, t'as un bâton dans la bouche, reviens. Bon, attends. Il a fait plouf. Que Notar a fait. Alors le courant c'est là-bas, hein. Il se téléporte pas comme ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu un truc. Bonjour. Alors les fruits carbo. Les...
Eh oui, mais... Ah! C'est toi? Vas-y, crame, crame-les! Fais quelque chose! Non? C'est pas toi? Oui! Je crois que je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Ok. Hop là, ensuite. Allez. Ouais, mais c'est pas ouf en photo là, les hirondelles. Je les prends, mais c'est pas. C'est quoi ça? Des quantons? Avec mes signes, quanton. Voilà. Il court, Dodrio, il court. Oh, mais il y a lui aussi là. Allez, les gars. Ah, j'ai oublié de changer la sensibilité du machin. Non, ils s'en foutent. Bon. Ils s'en fichent de mes pommes. Bon, les lacs, mes signes, je l'ai eu. Ah oui, mitraillé. Tu peux te servir du radar ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, radar? Des boules de nœuds en sont friands, d'accord. Ok, il s'est pas retourné. Les boules de nœuds ne s'est pas retourné. Oui, saute! Magikarp, saute, saute, saute! Non! Je l'ai raté. Raté, raté. Bon, je panique un peu alors que ce n'est qu'un jeu de photo. Hein. Ok. Voilà, c'est bon, j'ai une hirondelle que je voulais. Ça fait rien. Non, reviens. Ah, et là, il y a le truc avec la... Tu arrives bientôt à la fin de l'exploration. Je veux pas. Prends la pomme. Prends la pomme. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, mais écoutez, on fait au mieux. Ah, j'ai pas, oh, je voulais prendre le merde, je sais plus comment il s'appelle, le frison en photo. Ah! On va partir sur ça là plutôt. Quoique, attends. Attendez. Non, on va rester sur ça là. Dodrio, il y en a qu'une. Que Notor. Plutôt ça là. On n'a pas encore le bâton. Alors là, sans hésiter, ça va être ça. Hirondelle, ça. Quanton, ça là. Lac Messigne, ça là. Boule de nœud, bah, il y en a qu'une. Hein. Magikarp. Faut vraiment que j'y pense. Ça là. Est-ce que les quêtes sont bonnes? Ok. Oh,
Oh, pas de beaucoup. Mais il préfère ça là. On le voit pas le pop. Ah si, il est en train de sauter. Quatre étoiles. Ok. Ok. Il est pas fan de la photo du tout là. Caché. Best timing. Oh. Ah mince. Ok, d'accord. Je pensais que ça aurait fait deux étoiles, mais non, d'accord. Nice timing. Bah là, du coup, les deux étoiles, c'est bon. Est-ce que ça a répondu aux quêtes? C'est ça le truc. Tes photos ne cessent d'améliorer, moi aussi je dois rester au niveau, m'assurer que mes recherches avancent bien en parallèle. Est-ce qu'on mettrait pas l'album à jour? Je veux voir ces histoires de quêtes là. Je veux comprendre ces histoires de quêtes. Le professeur est encore dans la lune, il regarde pas où il va. Ah. Accompli. Un autocollant, ok. Et ça non, ça je l'ai pas ça. C'est peut-être quand il sort les lianes, quand ce Pokémon sort les lianes. Joli ça. Si on va à labo, ils vont nous dire un truc ou pas? Est-ce que je veux boire un café? Ah, me tente pas.
noter sur la carte. Juste des déplacements de... Oui, voilà. Que Notor, il est partout, en fait. Hein. Ok. Ok, ok. Donc là, l'idée, c'est de retourner au parc Anthos de jour pour essayer de résoudre le mystère de la plante, là. Ah non, mais par contre, s'il y a la notification du score total du photodex à chaque fois qu'on fait un truc... Ouais, voilà, je sais pas... Allez, exploration. On va retourner au parc de jour, allez. On va pas hésiter, 30 ans. On va retourner au parc de jour. Pardon. Je baille. Alors, eux, je vais pas réussir à les avoir correctement. Va manger. Oui, tonne-toi, c'est très bien. Voilà. Oh, je l'ai eu. Yes. Ok. Ensuite. Voilà, c'est gratuit. Mais... Voilà, il est en train de manger, c'est très bien. Il est où le Pokémon qui voulait ça? Bon, tant pis, c'est pas grave. Vite, vite, vite. On passe à l'eau. Les hirondelles, ils sont compliqués à avoir aussi. Ça fait quoi si je mets ça dans l'eau? Oh! Je l'ai eu! C'était pas volontaire. Ok. Toi, mange la pomme. Non, il veut pas. Lacmessin, il est pas très pomme. D'accord. Non, il s'en fout. Bon, d'accord. Il n'y avait pas un Pichu et un machin là qui traînaient là? Si, quelque part. Ok, bon, c'est pas grave. Oui! Toi! Parfait. Je l'ai en bon plan. Bon, c'est pas grave. J'ai un Magikarp qui saute. Ma journée est faite. Et le Hoothoot, j'ai raté le Hoothoot. Eux, ils aiment pas... Oui, non. Alors toi, sors les lianes.
Les lianes, vite, vite, les lianes. Non? Je crois que je l'ai eu, je suis pas sûr. Ah, il a une fleur sur lui. Ah bon, bah c'est fini. Je suis pas sûr que le Nirondelle ça fasse un grand score. Hein, mais bon. Allez, je garde. Oui, point de ton. C'est rigolo de ça là. Soit je le prends quand il mange, soit. Ça, ça sera facile à reproduire. Ça, peut-être moins. Allez, on prend ça là. Lac Messine. Boule de nœud. Ah, c'est pas centré, mais on le voit en entier. Là, c'est un peu plus centré, mais on le voit de loin. C'est celle-là qui va faire le plus gros score au lieu de celle-là, alors que celle-là, elle est mieux, quoi. Je préfère celle-là, moi. Pichu et Wistempo, elle s'est complètement ratée. Ces deux-là, ils arrêtent pas de courir partout. Et Florgues. Florg, que j'aime bien l'appeler. Je sais pas si c'est à la quête va passer, mais bon, on verra bien. Ah, moins bonne la photo, moins bonne. Je pourrais pas parier. Meilleure photo de Kenotor. Allez, go. À 5 points près, la photo du Dodrio est mieux, quoi. Chenipote, pareil, c'est mieux. Ça, là, est nul. Ah, y a pas photo. Ah, Magikarp, elle est bien cette photo. Voilà. Pareil. Une photo de 2 étoiles pour lui? Mais j'ai. Ah, parce qu'ils sont 2 peut-être. Ça, elle est nulle. Ah, la photo est moins bien. Mince. Ça répond peut-être pas à la quête alors. Non, on rentre à la base. Comment faire pour répondre à cette quête? J'ai reçu 100 médailles pommes déjà. D'accord, ben merci beaucoup. Est-ce qu'on doit retourner au labo? Est-ce que c'est au labo comme tout à l'heure? J'ai encore un peu de mal avec tout là. Attends.
Impossible de publier plus de photos. Veuillez retirer des photos de votre profil. Ah. C'est pas ici, j'aurais répondu à la quête. Comment j'ai fait tout à l'heure? Comment est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Je sais pas. Bon, mais la quête a pas dû être. Ça a pas dû être résolu. Bon alors, de nuit, il faut essayer d'avoir un Torterra qui baille. Direction le parc Anthos, de nuit. Ah, il s'est barré. Yes. On va dire qu'il mange, c'est bon. Raté. Qu'est-ce que... Bah, c'est juste un scarab, en fait. Allez, Torterra. Va falloir faire attention à avoir des Torterra qui baillent. Baille pas là. Non, il baille pas du tout même. Ok, là il baille. Alors, on peut pas dire qu'il baille pas là. Bon, Flambino. Gros carnage. Je l'avais pas eu tout à l'heure. Bon, tant pis, il est trop loin. Il y a Oot. Enfin, deux bonnes photos de Pichu et de Wistampo. Non, Scarabrut, j'aime bien la photo de tout à l'heure. Elle était chouette. Un peu originale. Non, eux ils s'en fichent des... Non, ils s'en fichent pas, ils s'en fichent pas.
Par contre, ils sont pas en face, quoi. Voilà. Non, c'est pas Torterra que je veux, c'est Flambino. Voilà. Et Flambino. Ah, vite. En plus, on y arrive. J'ai toujours pas changé de sensibilité. Voilà. Attendez. Voilà. Je crois que je l'ai eu. Rigolote. Flambino. Quoique, attendez. Boule de nœud. Celle-là. Je n'y crois pas. C'est le Scarabrut que j'ai eu. Ah, flûte. Ah, Chenipan, de toute façon, je l'ai pas hein, comme ça, mais... Ah, flûte. Du coup, j'ai pas du tout eu le Scarabrut. La Pichu au 800 pots, elle est trop bien, cette photo. Yes. Ah, elle est moins bien. De nuit, c'est plus simple de faire des photos. Ah, je n'avais pas réussi tout à l'heure à l'avoir. 4000. Ah ouais, quand même. Y'a pas photo, elle est beaucoup mieux celle-là. Ouais, j'ai fait un bon score là. Juste 33 000. Waouh. Niveau suivant, 88 000. Ah, attends, quoique. J'ai fait plus 33 000. Faut pas que je me fie au gros score, enfin, au truc. Parce que là, en un coup, j'ai fait 33 000. Donc, bon. Salut Nino. Je voudrais une photo d'un fenard. Oula! 6 fenards il y a. Pour l'instant, j'en ai pas croisé. Hein. Photo de groupe. Ok, mettre l'album à jour. C'est un oui. Vous avez gardé ça. Celle-là, elle est rigolote. Franchement, celle-là... Celle-là... J'aime bien celle-là. Celle-là aussi, elle est chouette en vrai. Les Flambino, c'était celle-là. Rentre à la base, on va passer sur le Pokéstagram. Je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Instadex, Instapokédex. Heureusement que j'avais dit que cette fonctionnalité là, je m'en battais les steaks. Au final, je l'aime bien. C'est... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Evoli.
Quelqu'un d'autre fait des photos? Salut. Todd, il s'appelle Todd. Mais où est Princesse Peach? Comment vas-tu, Jake? Ça va, tranquillement. Et toi, Nino? Les enfants, je vous présente Todd. C'est un grand photographe Pokémon qui a paru le monde entier pour son art, qui a parcouru. Il a un ancien appareil photo, lui. C'est toi qui as photographié un Pokémon luminescent, je suis impressionné. Est-ce que tu as apporté ce que je t'ai demandé? Je fais aller beaucoup de travail toujours. Bah ouais. Merci infiniment, grâce à toi, nous allons pouvoir reprendre nos explorations. Nous avons voyagé ensemble par le passé. Aujourd'hui, il me donne un coup de main dans mes recherches sur les lentilles. C'est pas le... Non, j'allais faire un rapprochement avec Pokémon Snap de Pokémon de Nintendo 64, mais non, en fait. C'est ça le véhicule que t'as mis au point? Voilà qui me rappelle des souvenirs. Ah, c'est peut-être lui, en fait. Ce serait possible de jeter un œil aux photos de Pokémon luminescent? Oui, ça rend bien, fais-toi plaisir. Elles sont super tes photos. D'où tu montes des photos à Monsieur Todd? C'est mon mentor, pas le tien. Qui c'est ça? C'est Régis? Phil. Salut! Il a 3 U. Moi c'est Phil, le meilleur disciple que Monsieur Todd ait jamais eu. Ce garçon est beaucoup trop enthousiaste et énervant. J'ai pensé à rejoindre les explorations moi-même pour soutenir tes recherches, mais j'ai une meilleure idée. Non, 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 me collez pas lui dans les pattes, hein. Que dirais-tu d'envoyer Phil à ma place? Eh, hey, mince, purée. Moi, ça me va pas, hein. Mais non! On recherche quoi au juste? Il a rien écouté. Il a rien écouté. Maintenant que nous sommes au complet, laissez-moi vous expliquer à quoi consistera notre prochaine expédition. Oh là! Il y a une île qui est apparue. Ça c'est Anthos, l'île sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Et ce point c'est notre base. Ok. Nos prochaines explorations vont nous amener à la découverte d'autres îles et des lentilles. Nous allons commencer par cet endroit, à Calais, avec la jungle Grand Arbre. Ça a l'air d'être montagneux ça par contre. De la jungle oui, mais montagneux aussi au passage. Pourquoi là-bas en particulier? Nous avons détecté une grande concentration d'énergie, ce qui va permettre au Neo One de s'y téléporter. Oh c'est bon, la téléportation dans Pokémon, sérieusement, faites quelque chose de plus crédible. Hein. D'ailleurs, le capitaine Victor parle de cette île dans le récit de ses aventures. Tout à fait. Il y aurait aperçu un Pokémon qui brille. Super, vos histoires, mais on peut y aller maintenant, j'en peux plus. Et arrêtez avec les gamins surexcités d'un Pokémon. On y a droit à chaque fois, à chaque jeu, dans chaque génération. Ces terres n'ont pas été foulées depuis une centaine d'années. Attends, c'est l'île à côté, t'y as pas été alors... Enfin bon, bref. Scénario sur 20. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? La patte cachée de Hoot Hoot. Est-ce que tu as déjà vu les deux pattes de Hoot Hoot? Peut-être pourrais-tu tenter de les avoir en photo toutes les deux. Je sais pas ce que je viens de faire tout à l'heure. Tiens, voilà, tiens, cadeau, médaille pomme. Oh, elle est chouette cette photo. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, toutes les missions, doucement, oui. Ouvre l'œil une fois la nuit tombée, car un Pokémon que l'on ne voit pas habituellement dort aux côtés de Torterra. C'est ce que je viens de faire. Littéralement, je viens de la prendre, cette photo. Ça là aussi, je crois. D'accord. Au carnage, elle a l'air farouche. Tu crois qu'on pourrait l'amadouer avec une pomme tendre? Je vais essayer. On mange et on y dort. Il y a un Pokémon qui dort dans les parages. Je
me souviens pas où c'est ça. Ça doit être sur la gauche à un moment donné. Bon, il y a beaucoup trop de missions là par contre. Beaucoup trop de missions. Notamment en pleine nuit. Et les vivifier, j'ai pas compris comment les faire. Ça. Alors, faut retenir au carnage, côté gauche. Le bâillement. Mais attends, mais là, on va retourner. Bah, au labo en fait. Comment j'ai validé la mission tout à l'heure? Je m'en souviens pas. Ça c'est chiant par contre. Reviens là. Donc là il y a bien les deux pattes. C'est littéralement ce que je viens de faire. Littéralement. Là, il baille, on est d'accord. Pourquoi point d'interrogation? Carte. Oui, vas-y, la carte. Mets-toi à jour. Un parc arboré. Oh là, il y a un truc de feu là-bas. Il y a un truc. Attendez, attendez, attendez. Donc ça, c'est là où on est. Là, il y a Caléis. Y a rien, c'est normal, on n'y est pas encore allé. Il y a une île de feu et de roche sur la droite. Il y a l'air d'avoir un truc sous-marin juste en dessous. Mode en ligne. Oui, on va modifier les photos qu'on a mis en ligne. On va modifier. Ah mais je l'ai mis deux fois, chenipan. Attendez. Comment je vois les pommes que j'ai reçues sur les, la photo, la dite photo. Ah, 51. 0, 0, parfait. Retirer, oui. Waouh, 72. Alors, quelle photo vais-je mettre ici? J'aime bien ça, là. Oui. Non, reviens au profil, j'ai pas terminé. Et là, il y a 0 à celle-là. 72, 62, 1. 51. On va enlever celle-là, du coup. Et on va mettre... Celle-là, elle est vraiment drôle, n'empêche. Il y a Flambino, quand même. Mais celle-là, elle est drôle. J'ai envie de tester ça là. On mettra Flambino plus tard. Est-ce que je retirais pas? Il n'y en a qu'une. Allez, on va la retirer, il n'y en a qu'une de toute façon. Et on va mettre Flambino. Voilà. Ok. Classement, on s'en fiche. Il y a trop de notifs de partout. Ça a bugué? Ah non, c'est juste moi qui... Ok. On va retourner à la base et on va retourner en exploration de nuit. Je vais essayer de me souvenir. Nouvelle zone disponible. Oui, mais on verra plus tard. Voilà, on retourne à Anthos. Parc de nuit. On va essayer de récupérer la photo de la patte cachée de Hoothoot. Il y a Roucarnage, il y a les Cornèbres. Le bâillement de Torterra, au final,
C'est dur, quoi. Allez, go. Pas convaincu. Pas convaincu. Il est là. Ne t'envole pas. Ne t'envole pas. Mange la pomme, gros carnage. Mange la pomme. Oui. Mange la pomme. Yes. Yes, yes, c'est bon. Il mange la pomme. Oh non, je voulais que tu dormes, toi. Bon, c'est pas grave. Ouh, il est méchant. Bon, j'ai une et deux justesse, c'est pas grave. Alors, il y avait quelque part... Voilà, j'ai une couette. Non, ils sont envolés. C'était par là, non? C'était par là, je crois. Non, c'était pas par là. Je sais pas comme ça, Torterra, encore. Trop cool, cette photo. Ah, merci, c'est gentil. Je vais pas bailler. Non, il s'en fiche complètement, les Torterra. Y'a pas des... Oh, il brille! Ok, c'est bon, j'ai eu Magikarp. Ok. Salut. Bon, il veut pas. Il n'y brille pas, ceux-là. Ouais, ils veulent pas, hein. Ah, ils sont là. Qu'est-ce que c'est? Nymphalie? Réveille-toi. Non. Un Nymphalie. Il y a des bruits bizarres. Ah, Scarabrut. Hop là, Scarabrut, c'est fait. Qui se fiche un petit peu. S'y fait. Bon, trop tard. J'ai pas eu le temps d'avoir l'angle. J'ai vraiment pas eu le temps d'avoir l'angle en fait. Oh, il est passé en vol. Oui, sors la patte, sors la patte. Raté. Peut-être pas. Non. Dodrio. Salut. Voilà. Trini et Flambino, il faut avoir correctement. Je pense que tu devrais augmenter la sensibilité assez haut. Tu rates beaucoup de Pokémon rien qu'en te tournant. Ouais, faut que j'y pense. J'ai encore zappé, mais faut que j'y pense. Flambino. Ok. De justesse, le Flambino. Rafale, ouais, ouais. J'aurais vraiment du mal à vouloir spammer toutes les photos, je sais pas pourquoi. Hein. Faut que j'ai le réflexe de... Ah bah, réflexe, photo, jeu de mots, lol. Faut que j'arrive à le faire. Ouais, 25 photos prises. Bon, est-ce que les quêtes se valident? C'est ça qui est intéressant. Pichu. Ça là. Frison. Ça là. Ou carnage. Ça là. Ouais, c'est deux étoiles, c'est bon. Boule de nœud. Quantum. Ah, je sais pas. Parce que là, c'est une étoile. Ça, c'est deux étoiles. Le une étoile, je l'ai, mais pas le deux. Allez, on prend ça là. Chenipouette. Bah, Chenipouette, ça voilà. Chenipan. Cornèbre.
Cornèbres, ils sont pas faciles à avoir. Torterra. C'est je voulais prendre le Wistimpo par le Torterra. Ça, c'est pas cool, par contre. Hein. C'est quoi la lumière au-dessus, là? Et une lumière bleue, vert, rouge, c'est bizarre. Prends 20 photos d'un même Pokémon, c'est pas grave. D'accord, je vais essayer. Je vais vraiment essayer. Lac Messigne. Celui-là, il brille. On prend sans hésiter, on prend celui-là. Attends, quoique. Non, c'est bon. Magikarp. C'est des lacs Messigne qui dorment en bas. Ouais, c'est ça. Kunotor. Kunotor en 3. Cool. Nymphali. J'ai balancé une pomme comme ça. Faudra, ouais, bon, tant pis. Scarabrut. Hoot Hoot. Là, il y a deux pattes. Apitrini. Il est chouette, ça, là. Flambino. Allez, vas-y, professeur. Ah, elle est moins bonne. Ah bah oui, mais en même temps. Prison. Oh. Roucarnage. Je l'avais pas eu tout à l'heure, Roucarnage. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Tant mieux. Boule de nœud. Ok. Quantum. Chenipan. Je préfère celle-là. Ah, ok. Cornèbre. Ça se joue à rien. Hein. Franchement. Et celui-là, il brille. Oh, tu préfères le premier, mais alors que lui, il brille. Bon, d'accord. Magikarp. Mouais. Kunotor, là c'est en 3. Nymphali, on l'avait pas eu. Elle est pas très bien la photo. Ouais, voilà. Mission accomplie. Ah, c'est à ce moment-là qu'on valide des missions, d'accord. Scarabrut. Ouais, il y a un peu plus de face. Hoot Hoot. Mission accomplie. On garde l'ancienne. Epitrini. Normalement elle est. Elle est pas mieux? Je préfère la deuxième, mais bon, d'accord. Flambino. Ouais, il est mieux cadré. Plus 22 000. Ah! J'ai fait plus 33 000 hein, tout à l'heure. Inauguration du barrage. Vous avez découvert un nouveau parcours dans le parc naturel. Le barrage des Kunotor. Oh. Ok. Est-ce qu'on mettrait pas l'album à jour? Des photos qui sont chouettes quand même. Et des photos qui sont vraiment chouettes. J'aime bien ça là. Vraiment falloir que je fasse un vrai tri des photos et vous allez peut-être m'aider. Mais... Ouais, on va garder que ça. Rentrer à la base, oui. Nouvelle mission. Bon, j'ai fait deux. Ouais, c'est ça. Bien vu. Vous avez obtenu un cadre. D'accord. Par contre, le bâillement... à
difficile à avoir le biome. Comment faire un... Mais... C'est pas ce que j'ai fait. Et ça, alors ça, c'est où exactement? Si, c'est là où j'ai balancé des pommes. Il y a un Pokémon qui dort dans les parages. Peut-être que s'il se montrerait s'il y avait d'autres Pokémon ici. Donc il y a quelque chose ici spécifiquement. Et Cornèbre. Bâillement, Cornèbre, beau carnage, et on y mange et on y dort. Je suis un peu embêté parce que en fait je me rends compte que j'aime bien passer du temps sur les zones déjà faites pour vraiment faire les missions. Mais on peut accéder à la nouvelle zone. Du coup, je sais pas comment je vais découper ces streams pour YouTube. Ce que je vais faire, je pense, pour aujourd'hui, c'est que je vais rester à la première île, Anthos. On fera la prochaine demain, du coup. Je vais faire ça. J'aimerais vraiment faire l'émission... Non, on va rester à Anthos. On retourne à Anthos de nuit, ouais. Il y a la source Lumina à faire aussi. Bon, on va rester à Anthos. On va faire ça. Sinon, ça va être une galère à redécouper, je pense. Allez. Mince, la sensibilité, purée. La sensibilité. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut pas... Option. Je tente, hein. Je suis pas sûr de ce que je fais, je tente. C'est un peu mieux. Gyroscope, par contre, c'est pas ouf encore. Ou carnage. Non ! Purée. Toi, t'es en train de dormir, je veux pas te réveiller. Ils vont manger ou pas? Attends. Allez vite sur la gauche, c'est par là. Il y a quelque chose là-dedans, de toute façon. Je sais pas. Je sais pas si c'était cette photo-là qui était attendue, mais... Oh, raté. Je vais l'augmenter encore plus la sensibilité pour la prochaine fois, je pense. Dodrio. Pas convaincu.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis de me retourner? Oh! Non. X et X. Non, j'ai raté. C'est là qu'il fallait que je tourne, je crois. Ah, flûte. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lol. Magikarp qui dort hors de l'eau, quoi. Vous avez déjà vu ça, vous? Oui, c'est un pot, c'est bon. Torterra, c'est bon. Il y a un truc là, non? Non. Toi, je t'ai déjà eu. Ah, il m'a fait peur. Bonjour. Il va bailler ou pas? Bye. Bye. Non. Purée, il veut pas bailler. La fin du parcours n'est plus très loin. Ouais, je sais. Bambino. Voilà, une abeille. Ça. Bon, on va prendre une photo mieux de Flambino. Voilà. Bon, je sais pas si ça suffira. Mais... Oh, j'en ai pris 18 en photo. Ah mais... On va prendre ça là. Prison. Lac Messine. Soit ça là en 3. Soit ça là en 3. Là, j'ai l'impression qu'il brille quand même. Il y en a deux, mais on lui voit mal. Celui-là, on le voit bien, mais il brille pas. Cornèbre. Chenipan. Chenipan. Prendre ça là. Y arriver, oui. Ah! Voilà. Carabrut, ça là, Dodrio, ça là, au garnage, ça là du coup, Torterra, j'ai pas vu Wistimpo encore, ah si j'ai eu peur, je le vois arriver, Magikarp. Elle est chouette celle-là quand même. Nymphalie. Ah là, elle est mieux. Wistimpo. Woothoot. Attends que, ouais, Woothoot. Ouais. Et enfin, aucune donnée. Ah mince, il l'a pas eu. Ok. Ah. Ok. Oh. Ah, la claque. Ah, ça, ça m'étonne pas. Ine.
Ah, de justesse, je vois, ok, bon. Je pensais que ça aurait fait une 2 étoiles au moins, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Oh, le Magikarp. Ouais, Magikarp qui est beaucoup mieux. Nymphalie, normalement, c'est mieux. Ouais, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Combien ? Mettre l'album à jour, je sais pas, peut-être. J'aime bien le Scarabrut comme ça. On a déjà un peu plus drôle. Magikarp. Ah si, Magikarp, faut le garder. Magikarp, faut le garder. Voilà. Du coup, j'ai pas validé mes missions, moi. Aucune. Je sais pas. Bon, on va retourner voir Meganium. Allez. Il y a un Evoli dessus. Non, je veux Evoli. Ok. Non, j'ai fait tomber Evoli. Evoli, tu veux sauter, s'il te plaît ? Aller voir la fleur. Non, la pomme il s'en fiche. Evoli il mange pas les pommes. Evoli brille. C'est pas facile, hein. Il est où? Il est derrière? Ah, il est resté derrière. Non, il s'en fiche. Non, il s'en fiche complètement des pommes. Il va briller. Il n'y a plus de fleurs ni rien. Qu'est-ce que c'est ça? Un morceau des ruines.
Il y avait un truc avec les ruines. Une étoile, qu'est-ce qu'elle serait? Qui serait le mieux? Celle-là est bien, moins bien, moins bien. Celle-là est bien. Celle-là aussi. Partir sur celle-là. Et Evoli. Non. Celle-là est chouette. Mais il brille pas. Là, il brille. On va commencer par ça. Pas ouf, pas ouf. Et ça a pas validé la mission? Pourquoi ça a pas validé la mission? Souvent Meganium, scruter les environs. Tu crois qu'il cherchait un de ses amis? Mais là, il était avec un Evoli. Ça voudrait. Est-ce qu'il faudrait dire. Est-ce que ça voudrait dire que je dois prendre un. Le Evoli en photo et que dans la photo il y a le Meganium? Ou est-ce que c'est un autre Pokémon qui l'attend? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Hop là, je ne sais pas du tout du tout. Excusez-moi, je dois moucher. Bon, je ne sais pas. T'as réussi à trouver un Mew? Chapeau. On va retourner au labo, voir si on nous dit quelque chose. Ok.
réfléchis. On va repartir encore en tos, mais 2 jours. On va faire encore une fois jour, je pense. Ouais, ouais, on va voir. Peut-être un de chaque, et après je vous laisserai. On va faire un de chaque, ouais. Oui, cet impôt, je l'ai raté par contre. Tu manges ou pas? Ouais. Ah, mais il est en plein milieu. D'accord, il gênait le terrain carrément. C'est vraiment là, c'est ce qui est dommage quand elle est refait comme ça, c'est que c'est quasiment la même chose aux mêmes animations près que Notor par exemple. Manger le bâton, il a fait à chaque fois. Toi, je t'avais pas vu. C'est pas ça que je voulais faire, mais pas. Eh hey, celui qui crame tout là, il est où? Il est pas là, il a disparu. Allez, il est que Notor, il y a un truc à faire avec eux du coup. Ok, une hirondelle, c'est à peu près bon. Ok, lac Messine. Oh, elle est jouée, c'est bien cette photo. Audrio, il est en train de courir, on l'a eu. Et là, il n'y a pas un truc à faire là-bas? C'est 2 nuits du coup qu'il faut l'avoir. C'est 2 nuits qu'on va là-dedans. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Salut. Ah. Ok. J'ai raté. Il n'y a pas des trucs là-haut là. Qu'est-ce que... Non, c'est bon, c'est un... Je croyais que c'était un topiqueur, c'est juste moi qui suis aveugle. Et toi, du coup, je comprends pas ce qu'il faut faire avec toi. Allez, tourne-toi. Ah. Bon, mais c'est fini. Comment ça ? 56 photos, ah ouais.
déjà un peu mieux. Chris Millon. Là, on voit ses antennes. Pichu. Non, on l'a pas en deux. Wistimpo. Il est en mouvement, mais ouais, du coup, c'est pas plus étoile que ça. Frison. Laïg, ouais, on va essayer ça là. Dodrio. Bon, Dodrio, voilà. Kenotor. Là. Et Molga. Attendez, là je vois à peu près où il est, mais là il est où sur la photo? Je peux même pas la choisir en fait. Je suis obligé de prendre celle-là. Chenipote. Là. Quenton. À Quenton, il y en a beaucoup par contre. Non. 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 Ah, c'est pas facile. Ouais, prendre ça là. Lac Messigne. On va prendre ça là. Je l'ai pour l'évaluer. Je n'ai pas encore fait de photo comme ça. Nirondelle. En vol. Là, il a un gros plan là. On va comparer ça là. Boule de nœud. Ça là. Magikarp. Là, Guiriland. Ah, ben ça. On pourra m'expliquer la différence entre les deux là, mais bon, ok, ça là. Et Florg. Il y en a beaucoup là. Ah, il y en a beaucoup, beaucoup. J'aime bien la 14. Ou la 12. La 12 peut-être. Ah, pas simple. Ah, et bien ça là aussi. On va partir sur la 12. En espérant que ça fasse une quête, mais ça m'étonnerait. Hein. Nouvelle photo de cul. Ah. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de pomme. Hein. C'est la seule différence. Ah si, elle est mieux cadrée, pardon. Elle est mieux cadrée. Ah, donc tu préfères bien celle-là. Ok. Hirondelle. Boule de nœud. Non, tu préfères pas Magikarp, ça m'étonnerait. Ah si. Tu préfères ce Magikarp. Ok. Guériland. Ça va. Florg. Ah, tu préfères pas. Et ça valide pas? Ça a pas validé. Ça a pas validé la mission. Mince. 11 000, c'est tout? Déçu. On va pas faire ce parcours. Est-ce que si je mets le parcours? Non. On va rentrer à la base.
On va repartir un parcours de nuit. Ah, chouette ça là. Allez, on y retourne. Mentos, oui. On parle de nuit. Attends. J'ai vu un truc que j'avais pas vu tout à l'heure. Mince. Allez, je me redresse. Ils vont apparaître là, non? Ah, j'ai raté le flambino. Raté. Bon, le carnage, il est trop... sur le côté pour le moment. Ah, je sais pas si j'arrive bien à les avoir. Ah vite. J'arrive. Allez, sors de là. Sors de là. Il y a un truc à... Ah non, c'est juste lui. Bon. Là-bas, c'est raté. Torterra. Voilà. Il m'a fait peur, lui. Là, il y avait un truc à faire là. Je veux aller là, oui. Comment on fait? Il y avait pas un... Pas bailler ce machin. Bye. J'arrive pas à voir le... Pas simple, pas simple. Il y avait... Mais... J'aurais dû l'attraper en plein vol. Ouais.
Ouais, j'arrive, je me dépêche. J'arrive pas à les faire bailler, les Torterra. Oh! J'ai le choix entre un Quenotor 2 et un Quenotor 4. Le 2, on peut l'avoir facilement. Celui-là, peut-être moins. On va prendre ça. Pichu. Bon, ben voilà. Au carnage. Elles sont nulles, les deux photos. Frison. Pardon, excusez-moi. Boule de nœud. Cornèbre. Il y a un cornèbre en 4 là. Partir sur celle là. Chenipan. Celle là. Scarabrut. En 2. Je l'ai pas eu tout à l'heure celle là. Torterra. En 3. En 3? Pourquoi 3? J'ai mitraillé depuis tout à l'heure ça là. Bon, Magikarp. Elle est trop drôle. Lacmessigne. Ouais, c'est pas. C'est pas ouf hein. Dodrio. Ah, en 2? On va partir sur la 2 du coup. Flambino. Nymphalie. Wistampo. Outout. Soit celle-là. Non, celle-là. On va prendre celle-là. Apiritrini. Ah, il y en a plein là. C'est que des 1 étoile. Ah, celle-là. Et aucune donnée. Ouais. Allez, go le professeur. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Oh! Elle est un peu plus centrée. Ça se voit rien. Ah! La mission du cornèbre est bonne. Enfin! Ça pas validé. Ok, donc ça c'est, je sais pas non plus. Torterra. Ah, ok. Ah oui, elle est beaucoup mieux cette photo en effet. Beaucoup mieux. D'écart. Et enfin. Bon, j'ai fait une mission, c'est bien. Plus 19 000. Niveau suivant, 22 000.
Alors, mission. C'était celle-là. Et du coup, tout ça, là, je sais pas. On va retourner voir une dernière fois Meganium et on voit les photos des gens. Ils ont fumé quoi, les gens? Allez, direction Meganium. Bon, il faut essayer de trouver qui est l'ami de Meganium. Je dirais Evoli par rapport à tout à l'heure, mais ça n'avait pas l'air d'être ça très spécifiquement. Sachant que c'est les photos que je lui envoie au professeur qui compte. Il faut bien la choisir. Comment je fais pour accélérer le... Parce que là, je vais pas lui envoyer tout ça. Evoli, il aime pas les pommes. Je sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, je sais. Enfin, là, je lui ai envoyé les photos de base, donc enfin de base du départ. Pour voir si c'était bien ça la quête, donc à part prendre des photos pour le plaisir là. On va regarder dans les fourrés s'il n'y a pas quelque chose. Il y avait une ouverture tout à l'heure. Ah là, ruine antique. Ça doit pouvoir se péter, ça. Ruine antique. Allez, fin du parcours là. Allez, fin du parcours. Merde, j'ai que deux photos à t'envoyer sur les 38. Oh, ruine antique aussi? Je dois te les envoyer? Oh! Ok, alors, Meganium. Il y a le 3. Faut que je lui en envoie une à 3, mais... Oh! Juste parce qu'il est caché derrière l'arbre. Mais moi je voulais par rapport à Evoli quoi. Mmh.
Bon, l'arbre, on pourra le refaire. On va, tant pis, c'est. Mais là, il y a Evoli dessus. Celle-là, je... bah, non. Là, il dit qu'il y a Evoli, mais il n'y a pas Evoli sur celle-là. C'est une à trois. C'est une de celles à trois. Eh bien, celle-là. Faut prendre celle-là, la deux. Et dans ce cas, celle-là. Et les ruines antiques, on peut les envoyer. Bizarre ça. Et croisons les doigts, parce que la quête va passer. Sauf si ce sont des ruines antiques découvertes à Anthos, quelle fantastique trouvaille. Mais c'est pas un Pokémon? Ok, alors va falloir je... Ok, d'accord. J'ai besoin de ton éclaircissement là. Retour à la base, oui. Purée, mais ça l'a pas. Bon, alors, ouais, direction le laboratoire. Quelle est cette photo des ruines antiques qui me turlupine? Attends, collection, c'est débloqué ça. Toutes les photos de fleurs de cristal ou d'éléments liés à l'histoire de l'Antis seront rangées dans la collection. Des pages s'y ajouteront au fur et à mesure que tu prends des photos, donc pense à la consulter de temps à autre. Mais j'ai pas pris des fleurs. C'est un morceau des ruines. C'est juste une photo de ruines. Il n'y a pas de photo de fleurs de cristal, alors j'en ai déjà pris pourtant. Enfin, je crois. Ils sont longs les chargements. Chargement, c'est long. Tout ça pour afficher une map. J'ai fait B ou j'ai... J'ai un doute, hein. Alors. Ensuite. Enlever toutes les notifs. Ils sont rigolos, les houtoutes. C'est la même, on est d'accord. C'est la même. Pourquoi là elle est à une étoile, pourquoi là elle est à deux? Je pense que c'est tout. Ouais, voilà. Et la carte, il n'y a rien d'intéressant à afficher.
Rechargement. Du coup, le professeur, il nous a rien appris de plus concernant ces ruines au final. C'est pas exceptionnel. On va jeter un œil au coin personnel. J'ai déjà reçu 194 pommes. Médaille pomme. Pas mal. Titre reçu. Inauguration du barrage. Vous avez découvert un nouveau parcours dans le parc naturel d'Anthos, le barrage des Kunotors. Vous avez découvert un nouveau parcours. D'accord. Un nouveau parcours. Ça m'intrigue quand même. Anthos. Nouveau parcours là. Attends. Comment on fait pour changer le truc là-dedans là? Parce que là on voit très bien que là c'est des routes qui se croisent. On va réessayer celui-là en essayant de comprendre comment on peut tourner. Là on passe sur le pont. Là on passe pas sur le pont. Je vais essayer de comprendre. Je vais essayer. Donc quelque part faudra tourner à gauche. Quelque part, faudra tourner à gauche. Comment on fait pour tourner à gauche à un moment donné? J'ai attrapé un cornet sans faire exprès, mais c'est pas grave. Alors à gauche, ça va être pas loin qu'il faut tourner, je pense. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends des photos n'importe quoi, moi. Normalement c'est là, attendez. J'ai pas compris où est-ce qu'il fallait tourner. Pas du tout. Parce qu'après il fallait réapparaître par là. Ouais, j'ai complètement raté le... J'ai complètement raté le passage, je pense. J'ai pas compris comment tourner.
Voilà, faut juste doucement les photos là. Mitrailler c'est bien mais... Bye. Allez, on va se limiter un peu. Ah quoique, attendez. Je suis pas passé par le pont là. Et non, je suis pas passé par le pont. Ah, 4. Il me reste 4 photos. Alors lui pour la pour les avoir eux. Plus qu'une. Il va falloir bien la choisir. Ah bah oui, Flambino. Il reste un Flambino. On va attendre. Plus de photos. Donc je pense que dès qu'il n'y a plus de photos, ouais, c'est téléport directement. Mais là, j'étais sur la fin. On verra. Ah, pas simple. Quantum. Cornèbre. Ah, elle est ratée, ça. Il y avait un cornèbre là-dedans? Je vois pas. Ou toutes. Flambino. Ah bah comme quoi. Scarabrut. Torterra. Celui qui baille. Torterra, celui qui baille. Carnage. Tentez celle-là. Nymphalie, il n'y en a qu'une. Woustampo, oui, Stampo, il n'y en a qu'une. Magikarp, il n'y en a qu'une. Happy Trini, il n'y en a qu'une. Fleur de Krista. Ah, elle vient celle-là, en grand. Et aucune donnée. Ok. Allez, du coup, le professeur. Ah d'accord.
Ah, et là, elle compte là. D'accord. Donc là, il baille bien. Donc là, il est bien. Même s'il baillait déjà sur l'autre photo, quand même. Hein. Je suis désolé, mais. Non! Ah. Ouais. Et une fleur de cristal. Donc c'est ça qui a directement en rapport avec le phénomène Lumina du coup. Ah, j'ai un bon score là. Ah non, il me manque 5000. Vous avez enregistré fleur de cristal d'Anthos. Du coup, nouvelle photo. Allez, on rentre à la base. Alors ça c'est du bâillement, il va être bien fatigué le Torterra. J'ai un peu réveillé en même temps. Bon, alors lui je sais pas, lui je sais pas, lui je sais pas, et lui je sais pas. Je sais pas. On verra plus tard. Est-ce que ça a sauvegardé? Ça c'est une question intéressante. On va supposer que oui. Je vais supposer que oui. Du coup, je vous laisse là. Passez une bonne fin d'après-midi. Je vous retrouve avec les camarades à 21h ce soir sur Stardew Valley. Je serai accompagné de Yakipon, de Nino et de Imra, comme d'habitude. Parce qu'on sera le lundi de Stardew Valley. Suite de Pokémon, en tout cas Pokémon Snap, demain après-midi. Alors, j'espère 14h, sinon 15h, mais voilà, je vous le dirai, ça dépend de plein de choses. Mais je fais en sorte d'être là à 14h, si j'arrive en retard, bon, je fais commencer à 15h. Mais normalement, ça devrait être bon. Voilà, passez une bonne fin d'après-midi, à tout à l'heure, 21h. Cordialement, bisous.